Fils et filles du bon Dieu, bonne semaine de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce cinquième dimanche du temps de carême, année liturgique B. Fils et filles du bon Dieu, à 15 jours de Pâques, l'évangile de Jean vient nous dire que l'heure de Jésus a sonné, l'heure de la gloire. Fils et filles du bon Dieu, ton heure également a sonné, c'est l'heure de ta gloire, l'heure de la présence de Dieu dans ta vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, le grain de blé tombé en terre va mourir, porteur d'une nouvelle promesse de vie. Comme pour tout homme affronté à la mort, l'angoisse est au rendez-vous. Jésus n'est ni un fanatique suicidaire, ni un pervers masochiste. Fils et filles du bon Dieu, il n'a cessé de soulager les souffrances physiques et morales de ceux qu'il rencontrait. S'il accepte pour lui-même l'épreuve de la persécution et du martyre, c'est par fidélité à sa mission et dans une perspective de solidarité avec les pécheurs, si ce fait du bon Dieu avec chacun de nous. C'est ainsi, selon l'épître aux Hébreux, qu'il a pris l'obéissance et devient notre sauveur, fils et fille du bon Dieu. Voilà l'alliance nouvelle annoncée par le prophète Jérémie dans la première lecture. Dieu renouvelle l'homme en lui parlant au cœur, fils et fille du bon Dieu. D'abord la première lecture. Jérémie le chapitre 31, verset 31 à 34. Pour être connu directement par chacun, le Seigneur inscrira sa loi au fond des cœurs des hommes. Fils et filles du bon Dieu, mais tu as la loi de Dieu. Regarde seulement d'une manière très simple. Lorsque tu veux voler quelque chose, mais il y a la loi de Dieu au plus profond de ton cœur. Il y a quelque part, quelqu'un te dit, ne fais pas ça, ce n'est pas bien. Mais aussi, le démon qui veut dominer en toi, qui te dit, non, vas-y, fais, ce n'est pas un problème. Fils et filles du bon Dieu, c'est cela notre vie. Ce qu'il y a de nouveau dans l'alliance que promet Jérémie, c'est un renouvellement de l'homme plutôt qu'un changement de clause de l'alliance. Renouvellement de l'homme qui sera parfaitement accordé du fond de son... Oui, Jérémie nous parle de l'alliance nouvelle et éternelle, fils et fille du bon Dieu. Lorsqu'on le lisant dans l'Ancien Testament, nous constatons que Dieu est le Dieu de l'alliance. Il veut faire alliance avec toi, avec moi, avec chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Il a particulièrement conclu une alliance avec Israël, avec la médiation de Moïse. Comme quoi, il veut également conclure l'alliance à travers nos médiations. Voilà pourquoi nous devons prier les uns les autres pour porter chacun de nous sur, pour emmener chacun de nous sur le vrai chemin, le chemin de l'alliance voulu par le Seigneur lui-même, fils et fille du bon Dieu. Deuxième lecture, Hébreux le chapitre 5, verset 7 à 9. Parce qu'il a connu nos souffrances et nos larmes, Jésus demeure toujours près du Père, le compagnon de nos épreuves, fils et fille du bon Dieu. Les souffrances de Jésus ne sont pas seulement un événement du passé que sa résurrection et sa vie auprès du Père lui auraient fait oublier comme un mauvais souvenir. L'expression qu'il a faite de la souffrance, des larmes, de la prière suppliante de l'homme aux prises avec l'angoisse et la peur de mourir lui permet de comprendre nos faiblesses dans l'épreuve, fils et fille du bon Dieu. Nul ne peut désormais se dire solitaire ou abandonné dans sa peine, fils et fille du bon Dieu. Jésus est avec toi dans ta peine. Jésus est avec toi dans ta souffrance pour t'emmener vers la grâce, fils et fille du bon Dieu. Oui, Jésus est près de ceux-là qui souffrent, ceux-là qui vivent dans des douleurs, ceux-là qui vivent dans la maladie. Oui, fils et fille du bon Dieu, c'est lui qui apporte le secours et miséricorde. L'évangile de ce matin, Jean le chapitre 12, verset 20 à 33. Il faudra la croix
pour que l'évangile déborde les frontières d'Israël. Élevé de terre, Jésus attirera à lui tous les hommes, fils et filles du bon Dieu. Oui, dans l'évangile de ce jour, l'ouverture aux païens est signifiée par la mention des Grecs qui voulaient voir Jésus. Fils et filles du bon Dieu, le Seigneur est sans frontières. Le Seigneur invite chacun de nous à ouvrir notre cœur, à recevoir l'autre fils et fille du bon Dieu. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un mot qui revient à plusieurs reprises. C'est le mot glorifié. L'heure est venue pour le fils de l'homme d'être glorifié. Père, glorifie ton nom. Jean 12, 23 à 28. Fils et fille du bon Dieu. Glorifier quelqu'un, qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simplement lui rendre gloire, contribuer à sa gloire, fils et fille du bon Dieu. Nous savons tous que la gloire d'un artiste, c'est son succès. La gloire d'un savant et d'un homme de lettres, c'est son intelligence, son renom, ses découvertes. Et nous-mêmes, tous, nous cherchons plus ou moins des succès d'années de ces gloires humaines, fils et fille du bon Dieu. Les uns sont fiers de leur brillante réussite scolaire, d'autres de leur ascension dans la profession ou l'échelle sociale, d'autres encore, plus simplement, d'une voiture, dernier cri, d'une belle paire de chaussures ou d'une robe toute neuve qui permet d'attirer les regards. Fils et filles du bon Dieu, voilà comment nous sommes, voilà en quoi nous mettons notre gloire, notre fierté dans le ngunda ngunda, moi c'est moi. Et Dieu, lui, que pense-t-il de tout cela, fils et filles du bon Dieu? Ce qui fait la gloire de Jésus, ce ne sont pas les manifestations de puissance, les coups d'éclat, le ngunda ngunda, non, fils et filles du bon Dieu. À travers ta vie, c'est l'humilité qui précède la gloire. C'est de porter beaucoup de fruits par sa mort sur la croix. C'est de sauver le monde en mourant pour nous, fils et filles du bon Dieu. Ma véritable gloire, c'est de vous aimer. Fils et fille du bon Dieu, voilà la véritable gloire. Ce que tu as reçu comme succès, ce que tu as reçu comme grâce, mais il faut partager aux autres, fils et fille du bon Dieu, au nom de la charité. Oui, la véritable gloire de mon Père, c'est que je sois capable de vous aimer au point de donner ma vie pour tous les hommes, pour les sauver. Fils et fille du bon Dieu, avons-nous en vérité compris que Dieu met sa gloire à aimer l'homme, à lui pardonner, à le sauver, fils et fille du bon Dieu? Et cela ne s'est jamais aussi bien vérifié que dans le mystère de Jésus crucifié, que nous nous apprêtons à célébrer, fils et fille du bon Dieu. Mais allez-vous me dire, si nous admettons cette parole de Christ Jésus, nous essayons de la comprendre, quelles conséquences entraînerait-elle pour nous? Comment aujourd'hui un chrétien va-t-il rendre gloire à Dieu? Fils et filles du bon Dieu, si nous voulons aujourd'hui continuer de rendre gloire à Dieu, nous devons tout faire pour essayer de suivre Jésus-Christ dans son amour pour nos frères et sœurs, les hommes, fils et filles du bon Dieu. Cela conduira à donner pour nos frères et sœurs de notre temps, de nos forces, de notre argent, de notre cœur, de notre intelligence, notre vie même. S'il le faut, fils et fille du bon Dieu, c'est aider l'autre, c'est ouvrir ta main pour celui-là qui te demande, fils et fille du bon Dieu. La main qui s'ouvre, c'est la main qui reçoit. Oui, fils et fille du bon Dieu. De même, comme Philippe et André, soyons de ceux qui amènent les autres à Jésus. Fils et filles du bon Dieu, depuis que tu es devenu chrétien catholique là, qui tu as mené à l'église? Est-ce que tu as mené quelqu'un qui était perdu à l'église? Pose-toi tes questions. Et très souvent, nous chrétiens catholiques, lorsqu'il y a des campagnes dans les églises, des réveils, on nous dit, non, je t'invite, viens seulement voir, viens seulement être avec nous, participer à notre culte. Mais lorsque toi tu invites les autres, est-ce que les autres viennent, fils et filles du bon Dieu? Mais s'ils ne viennent pas, toi non plus, ne pars pas. Fils et filles du bon Dieu, venons vers le Seigneur, emmène les autres vers Jésus-Christ. Dans le cœur de chaque être humain, Dieu a semé les semences de bonheur, de vie et de paix, fils et filles du bon Dieu. Oui, il faudrait qu'on puisse s'entraider dans la prière pour demeurer dans le contact intime avec le Seigneur. Oui, il faut faciliter les autres, devenant les facilitateurs, oui, non pas les obstacles pour les uns et pour les autres, fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu, essayons de penser aux autres.
Si tu ne penses qu'à toi, quand tu deviens égoïste pour les affaires spirituelles, ta vie ne porte pas de fruits, fils et fille du bon Dieu. Tu restes seul, seul avec ta chambre, seul avec ta Bible, seul avec tes idées, seul avec tes convictions, fils et fille du bon Dieu. Mais lorsque tu t'abandonnes, tu acceptes de donner ta vie pour le Christ et pour les autres, tu seras toi-même surpris de savoir combien ta vie a vraiment de sens, combien ta vie va être remplie de grâce et de bénédiction, fils et filles du bon Dieu. Oui, en ce jour, demandons-nous, frères et sœurs, fils et filles du bon Dieu, comment dans ces 15 derniers jours de carême, nous allons avec Jésus-Christ glorifier Dieu? Alors, nous pourrons en vérité chanter et dire au plus profond de notre cœur, « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui, notre gloire, en lui, notre salut. » De Timothée 2, 8, fils et fille du bon Dieu, demeurant dans cette glorification du Seigneur, parce que le Seigneur veut également te glorifier, fils et fille du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire, Saint-Michel glorifié, fils et fille du bon Dieu. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction, sainte semaine à tout un chacun de vous. N'oublions pas, Kipé, Yayo. Et merci au Seigneur pour ce temps que nous avons passé avec la chorale Cœur de la Fraternité de Saint-Michel de Nkembo en Coloton, où nous avons vraiment passé le temps avec le Seigneur. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit toujours glorifié. Amen. Semé dans les larmes.